C'est la deuxième participation au Salon des maires pour la Fédération française de bridge. Nous sommes présents dans ce salon pour amplifier nos interactions avec les collectivités territoriales, sachant que la Fédération française de bridge est implantée partout sur le territoire. Nous avons plus de 1000 clubs. Et la plupart des clubs sont hébergés dans des salles municipales. De plus, le bridge est un sport de l'esprit qui s'intègre très bien dans la dynamique intergénérationnelle. Donc nous intervenons depuis les écoles avec un jeu qui s'appelle le Petit Bridge dans les écoles primaires. Puis nous avons un outil vers les collèges et les lycées qui s'appelle le Mini Bridge. Et nous espérons comme ça apporter du sang neuf dans nos clubs. Le bridge a une réputation un petit peu vieillotte et grâce à cela, nous avons un double objectif puisque nous sommes toujours dans une recherche perpétuelle de développement, mais aussi de développer de nouvelles formes de jeu, c'est-à-dire de simplifier les règles du jeu pour s'adresser aux plus jeunes et ainsi favoriser le jeu entre enfants et adultes, et y compris les grands-parents.